À cette période-ci, on est déjà rendu à la mi-saison de la baignade environ. Puis on en a profité, mais on veut en profiter encore. Et là, on dirait qu'avec les vacances, on prend peut-être tout ça un petit peu plus à la légère. On y va avec les traitements de base pour notre piscine. Mi-saison, entretien requis, puis on va regarder ensemble aujourd'hui ce qui serait bon de faire pour vos équipements et pour l'eau de votre piscine. Alors, si vous avez un système au sel sur votre piscine, c'est le moment idéal de retirer la cellule et de la nettoyer. Vous utilisez le nettoyant de cellule. Ça prend une vingtaine de minutes. C'est très simple à faire et ça rend un grand service à votre cellule. Ça l'aide à bien fonctionner. Si vous avez un système de filtration à cartouches, là aussi, c'est le bon moment, on arrête tout, on ouvre le filtreur, on sort nos cartouches, on les rince bien, mais là, c'est l'entretien de mi-saison, alors on va lui faire plaisir avec un bon trempage pour bien la nettoyer. Et d'ailleurs, le nettoyant à filtre que vous allez utiliser, c'est le même nettoyant qu'on utilise pour rincer en profondeur et nettoyer le sable des filtreurs au sable, ce qu'on fait moins fréquemment, bien sûr, qu'avec nos cartouches. Alors maintenant, notre eau, elle, on vérifie, je l'espère, de manière presque quotidienne, là, surtout avec la grande chaleur, votre pH, votre chlore avec les gouttelettes et les bandelettes. Mais on a, depuis le début de la saison, ajouté des engrais dans nos fleurs, dans la pelouse. Alors, il y a du phosphate qui s'est mélangé à tout ça. On a eu de la pluie, alors peut-être que le calcium n'est plus tout à fait bien dosé. La mi-saison, c'est le moment de prendre à nouveau votre échantillon d'eau et de venir en magasin pour bien arranger à nouveau tous les paramètres de votre piscine. On veut se rendre loin et se baigner tard dans la saison, alors on va quand même lui rendre un fier service. Notre cartouche est propre, notre système de filtration fonctionne bien, mais la piscine est un peu sale. Vous avez remarqué quelques cernes sur la toile ou encore dans les différentes composantes en vinyle, les escaliers, les marches. On a un petit produit qui va vous être très utile, le vinyle net. En fait, si vous avez des cernes, n'attendez pas, nettoyez-les rapidement. Plus on les laisse longtemps, plus ce sera difficile de les faire partir. Et on utilise l'éponge brosse nettoyante ligne d'eau, très sécuritaire pour les composants de la piscine et le produit aussi est sécuritaire pour notre eau. Que ce soit pour le vinyle net, pour les différents nettoyants, pour tester votre eau, pour nettoyer votre cartouche, vous avez tous les tutoriels nécessaires pour vous montrer pas à pas comment faire directement associé à cette chronique. Allez-y, bon nettoyage de mi-saison!